le nom est arrivé un matin au petit déjeuner. J'avais une corbeille de fruits pas loin. Et je me suis amusée à superposer des kiwis et à en faire une pyramide. Et je me suis dit, c'est cool ça comme nom, pyramide kiwi. Et c'est resté. Mais à la base, il n'y avait rien de concret dans tout ça. C'était, je crois, si je me rappelle bien, c'était un nom un peu temporaire qu'on trouvait cool, mais on n'était pas vraiment sûr. Et je crois qu'à chaque fois... Et à l'époque, les noms de fruits avaient du succès, en fait. Les lemon trees, c'est un peu plus vieux. non, mais ouais, en fait, et puis je crois que tout le monde aimait bien, en fait. Et, du coup, on a gardé ça. Pyramide Kiwi, ça date de fin 2018. Enfin, les premières compos ont été écrites à Paris. À l'époque, on habitait à Paris, Léo et moi. Et donc, on a commencé à jouer à deux. Et puis, quand on est arrivé à Bordeaux, il fallait monter le groupe à trois. Donc, on a fait appel à ma sœur, puisqu'elle touche à tout. Et du coup, c'est parti. Ouais, ça a commencé en novembre 2018. De jouer en famille parce qu'on est proche, on est complice et on est franc. Du coup, on répète sa gueule un peu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, mais jusqu'à présent, on s'entend plutôt bien. Tu veux dire un truc, Léo ? Oui, on gueule beaucoup, mais je pense que ça se tasse tout le temps après. Est-ce qu'on gueule trop ? Vas-y, tu peux le dire devant la caméra. Non, moi, c'est plutôt moi qui suis colérique, donc je me prononcerai pas trop. Ils sont super cool, nos amis des Fennecs, parce qu'ils ils gravitent déjà, enfin je sais pas, il y a au moins 8 groupes dans ce collectif. Et comme on se connaît tous, ils nous ont gentiment invités à intégrer le collectif. Et puis, mine de rien, c'est grâce à eux qu'on a fait notre tout premier concert à Bordeaux, à la Maison Pipe à l'époque.
Et avec eux, tout va, enfin, c'est pas que tout va vite, mais il y a plein de choses qui s'organisent, donc on est vite intégrés au mouvement, et ça, c'est plutôt cool, et en plus, on s'entend tous très bien. C'est des gens comme ça. Voilà. Merci les FEDMEC. Garage, pop et je sais pas, psyché un peu. Ouais, un peu psyché. Ouais, garage, pop, un psyché. Psyché, c'est en dessous peut-être plutôt. C'est la, mais à la base, c'est un truc de esprit garage avec une petite touche de pop parce qu'on aime bien les couplets refrains quand même. Donc ouais, voilà. Bah, pop parce qu'on essaie de faire des chansons et garage parce qu'on sait pas très bien jouer quoi. Oui, carrément. C'est ça. Carrément ça. Voilà. Elle est un peu plus éloignée de nos influences à nous deux, mais globalement, oui, c'est les Black Lips, Parquet Court beaucoup, plus récent. Et après Pavement, Léo et moi, on est ultra fans de Pavement, donc... You see.